on se retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi, je vais me préparer avec vous et puis il y aura des petites choses qui seront en accéléré sûrement, comme ça je vous verrai un petit peu les soins que j'utilise. Donc là dans un premier temps j'ai passé un petit coup d'eau de rose de chez Action qui est bientôt terminée, que j'adore, donc j'en ai repris une, je pense que vous avez vu dans mon haul mardi. Si vous n'avez pas vu le haul Action, je vous le remets ici en petite fiche. Ensuite je suis venue mettre de la marque Farmstay, vous pouvez retrouver sur YesStyle. C'est un contour de l'œil et à l'intérieur vous avez, vous voyez, les petites billes comme ça pour masser. Mais il est pas mal du tout. Rolling Eye Serum, ça contient des céramides, c'est anti-rides et c'est à base d'extrait de plantes. Donc je mets ça déjà. Ensuite je mets un sérum qui vient de chez aussi YesStyle, c'est le Bring the Light de la marque Cioris. Donc ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'il soit en flacon, comme ça vous prenez ce qu'il faut et vous avez les gouttes. Donc je trouve ça très sympa. Vous avez dû voir vendredi en vidéo la nouvelle pause que j'ai fait en pause américaine, en semi-permanent. Donc je ne vous ai pas filmé la pause américaine parce que ça je vous l'avais déjà filmé. Mais je vous ai filmé la pause du dernier semi-permanent. C'est d'un kit que j'ai reçu, un nouveau kit que j'ai reçu de la marque Model Ones. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets en petite fiche aussi. Alors. Comme vous l'avez vu dans le titre est un peu évocateur de la semaine qui commence et qui avance à grands pas de merde. Voilà, depuis lundi, c'est un peu... voilà. J'ai toujours mal aux dents. Je vais rappeler le dentiste. Je devais rappeler le dentiste hier, mais hier, on a été mettre la voiture au garage. Non, on devait la récupérer hier soir et on ne l'a pas. Puisqu'on devait faire changer les pneus et les plaquettes, enfin les deux pneus avant et les plaquettes. Sauf que le garage n'a pas reçu les pneus, donc la voiture était sur rail et était démontée. Et donc du coup, on n'a pas pu la récupérer. Donc j'aimerais bien retourner chez le dentiste parce que j'ai toujours mal. J'ai mal en haut et en bas. Donc je demande s'il n'y a pas une infection. Est-ce que je fais pas du bruxisme la nuit? Enfin voilà. Donc je sais pas trop. Donc... je vais la rappeler vers 10h, là 11h. Je vais lui expliquer qu'aujourd'hui j'ai pas de voiture et que demain matin je ne peux pas y aller non plus parce que j'ai un autre examen, donc je vais vous parler après. Donc est-ce qu'il peut me revoir là, soit jeudi après-midi, vendredi ou samedi ou lundi après-midi? Enfin voilà. Donc voilà, je vais voir avec la secrétaire exactement ce qu'on va pouvoir faire. Ensuite, je vais attendre un petit peu que ça pénètre ce petit sérum et je trouve qu'il fait. Il fait, j'aime bien. Je vais mettre après cette crème matifiante de chez Makeup Revolution qui est la... elle est enrichie en niacinamide. C'est une crème qui réduit l'apparence des pores et qui matifie la peau. Donc moi j'en mets essentiellement sur la zone T. C'est un flacon pompe, donc ça c'est génial. C'est au niveau hygiénique, c'est top. Donc ouais, depuis le début de la semaine, comme je vous l'ai dit, j'ai mal à toutes les dents. Enfin, voilà, j'en suis à me demander si vraiment... si d'une, il n'y a pas une infection par rapport à la dent de sagesse, là-haut qui a été enlevée, parce que j'ai l'impression d'avoir une boule sur la gencive. Alors, est-ce que c'est le cornet de l'autre gencive qui restait? J'en sais rien. Quand je vous le dis, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas dans ma bouche, je suis pas dans... au moins pour refaire des radios, voir s'il n'y a pas une infection quelque part. Voilà. Et puis, eh bien, si c'est du bruxisme que je fais, donc je pense qu'on va tester les gouttières hein, pour la nuit. Parce que du coup, j'ai pas mal aux dents, principalement pas mal aux dents la nuit. J'ai surtout mal la journée. En fait, dès que je me réveille, j'ai mal. Voilà. Donc, on va voir ça. On va essayer d'avoir un rendez-vous. Je vais appeler tout à l'heure, donc je vous dirai ça. J'ai pas mal de petites choses aussi à faire pour la société ce matin. Ensuite, je vais mettre une base et je vais mettre en fond de teint. Je vais mettre la base XX Révolution. Bah, c'est matifiante aussi. Il me semble hein, qu'elle est matifiante. Ouais, c'est ça. Perfect Matte Base. J'aime beaucoup cette base. Donc, comme je vous l'ai dit, lundi, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo. Je sais plus si je vous l'ai dit dans le dernier vlog. J'avais rendez-vous chez mon ophtalmo pour. Je sais pas si vous aviez suivi mon histoire de lunettes l'année dernière. Mais vous étiez plusieurs à me dire que voilà, j'avais fait faire. J'avais été. J'étais gênée pour. Lire de près, lire de loin, enfin j'étais gênée pour lire, etc., pour regarder la télé, pour conduire. Donc j'avais été chez un ophtalmo.
Ah, qu'est-ce qui se passe? J'avais été chez un ophtalmo, et l'ophtalmo que voit mon mari, donc que je ne pense pas nous retournerons, ni lui ni moi, pour aller bah, justement faire un contrôle, parce que voilà, j'avais tendance à avoir des problèmes. Et on m'avait fait faire une paire de lunettes. Les lunettes ne me convenaient pas, ça me barbouillait, tout était déformé, j'avais des nausées, donc c'était infaisable. On avait fait refaire les verres chez l'opticien, pensant qu'il y avait une erreur sur les verres. C'était toujours pareil. J'avais même travaillé avec une autre marque et j'avais fait faire les lunettes que de loin. Bah, c'était pareil, ça me barbouillait, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, je vais changer d'ophtalmo. Et ils ont ouvert un centre à Brétigny. Ils ont ouvert un centre. Enfin, ils ont ouvert un centre ophtalmo non loin de chez moi. Enfin, non loin. À une petite demi-heure de chez moi. Donc, je vais mettre le fond de teint. À une petite demi-heure de la maison. Donc, je me suis dit, je vais voir si je peux pas avoir un rendez-vous. Et puis, eh ben, j'ai trouvé un rendez-vous. Apparemment, je pense que quelqu'un avait dû se désister. Donc, j'avais finalement un rendez-vous assez rapidement. Donc j'y suis allée lundi. Donc fait les. Donc là c'est bien parce qu'en fait c'est un centre optique. Enfin, c'est un centre d'opticien. Et en fait, vous passez avec des orthoptistes, des techniciens avant, sur toutes les machines. Donc ce qui vous prend tout. Hein, vraiment, c'est vraiment très moderne à la pointe de la technologie. Voilà. Donc, et puis après, je suis passée avec le technicien pour lire, etc. Donc oui, on a constaté qu'il y avait besoin. Donc elle me dit, ben je vous laisse patienter là dans la salle d'examen. L'ophtalmologue, le docteur machin, va venir vous voir pour voir ce qu'il en est, pour vous faire l'ordonnance, etc. Bon, ok. Jusque-là, je me suis dit, bon, bah c'est bon, les lunettes, il en a besoin, de toute façon, on va refaire faire des lunettes, on va voir. Et donc pour les lunettes, elle m'annonce que les lunettes qu'il avait fait, en fait, ne correspondaient pas du tout à ma vue, étaient beaucoup trop fortes, donc c'est pour ça que j'avais des nausées et que je ne supportais pas les lunettes. Donc elle a refait des lunettes toujours progressives, donc normalement j'y vais demain pour les faire faire. Mais il faut que j'attende en fait l'examen que je vais avoir demain, donc je vais vous en parler. Donc je vais demain, normalement après l'examen, les faire faire, puisque non loin de là, il y a un centre à Fleloup, enfin une boutique à Fleloup, et mon mari avait fait faire ses lunettes là, et du coup, ben, c'était très bien. Donc je pense que je vais aller les faire ici. Donc elle me fait donc ça pour les lunettes. Je dis, ah bah ok, voilà, voilà le pourquoi du comment, les lunettes ne me convenaient pas. Et puis après, elle me dit, par contre, il y a autre chose. Je dis, ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir là, dans les yeux? Elle me dit, pour moi, il y a une grosse, forte suspicion de glaucome. Et bim! Elle me dit, vous avez de la tension dans les yeux. Pour moi, il y a une grosse suspicion. Mais je voudrais un examen complémentaire pour mesurer un petit peu tout ça, s'il y a des dégâts, machin, machin. Bon, super. Elle me dit que, donc je sais que ma maman a des glaucomes, donc elle a des gouttes à vie, c'est héréditaire. Donc le glaucome, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une atteinte du nerf optique, tout simplement. Et puis si on fait rien, ben, on peut devenir aveugle, tout simplement. Donc bon, ben voilà, super. Donc je suis repartie de là, ben, le moral un peu dans les chaussettes. Je tiens à vous dire que le moral cette semaine, il est down. On va dire, le moral n'est pas très haut. Du fait qu'en plus j'ai mal aux dents, enfin tout ça mélangé, ça fait beaucoup cette semaine. Alors, oui, je suis encore en train de me plaindre des problèmes de santé que j'ai, mais voilà, je suis une personne lambda, je pense qu'on est tous comme ça. Il y a des périodes dans la vie où on a des problèmes de santé, et voilà, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour, voilà, mais c'est la vraie vie. Je vais pas vous cacher que tout va bien, tout est rose, tout est beau dans les bisounours. Non, mais puis derrière, ça va pas. Donc, non. Donc, voilà. Donc, elle me revoit demain matin. Je vais donc retourner au centre. Il y a un orthoptiste qui vient pour faire un champ visuel pour voir un peu s'il y a, bah, ce qu'il y a d'autre comme dégâts, tout ça. Et suivant cet examen, je la revois le 27 à 8h20 le matin. Donc, va falloir que je parte très tôt de la maison parce qu'à cette heure-là, il y a beaucoup de bouchons pour aller bah, sur ce coin-là de, on va dire, pour aller en ville, les gens qui vont au travail. Donc, il faudra que je parte assez tôt, je pense. J'espère être à l'heure pour 8h20. Et du coup, bah, je la revois lundi pour voir si on met quelque chose en place ou si on attend 6 mois et on voit dans 6 mois pour une reprise de mesure et de tension, etc.
Alors oui, on vit très bien avec, à condition que, bah voilà, que ça s'aggrave pas, quoi. Donc en espérant que les lunettes également vont peut-être réduire aussi cette tension dans l'œil, et puis voilà. Donc super. Donc voilà, c'est une semaine de merde, voilà, tout simplement. Je devais récupérer la voiture aujourd'hui, je l'ai pas. Voilà, donc je suis bloquée à la maison, que j'aurais bien été à l'extérieur pour me changer un peu les idées, mais c'est pas le cas. Donc déjà, dans un premier temps, demain, on va se concentrer sur l'examen demain. On verra bien, de toute façon. Voilà, on n'en meurt pas, mais bon, c'est chiant, quoi. Ça me gave, il y a toujours un bout qui va pas. J'ai une IRM à faire du pancréas au mois d'octobre. J'espère qu'il n'y aura rien, parce que alors là, si en plus il y a quelque chose là, en fait j'ai un kyste dans le pancréas depuis 2015, je crois, et il bouge pas. Mais donc en espérant qu'il n'ait pas bougé, voilà, sinon je vais péter une durite, je crois. Enfin, donc je vais rappeler tout ça là tout à l'heure. Hop là, j'ai aussi des petites choses à faire administrativement pour la maison. Donc faut que je m'en occupe, des choses à résilier, des trucs comme ça. Donc je vais un petit peu m'occuper de tout ça, je pense, aujourd'hui. Et puis il faut que je monte la vidéo. Bah donc du coup que vous avez vu vendredi. La vidéo, bah, sur la manucure, et franchement, la couleur est très sympa. La couleur est très sympa. Et je travaille à peu près bien. Je les trouve un peu épais quand même, mais c'est pas mal. C'est pas mes préférés. Mes préférés, hein, c'est les Beautylux, hein, comme vous le savez, de chez AliExpress. Enfin, qu'on trouve sur AliExpress ou sur le site Beautylux. Donc, je vous ai même pas dit ce que j'ai mis. Je suis là, une sauvage, moi. Donc, j'ai mis pour le concealer. Le concealer Anhydrate en teinte C2 de chez Make Up Revolution. Et l'éponge que j'utilise, c'est une éponge Imagique. Je vous remettrai ça en barre d'infos de toute façon. Et la poudre, bah, c'est toujours la même, hein, c'est l'Infinite. Quand je vous dis, quand je commence une poudre, je la finis. Et puis, c'est une poudre libre qui doit être matifiante. Elle est translucente. Voilà. Donc du coup je me suis mis, bah, du coup comme je peux pas faire grand chose à la maison et que j'ai le nez tout blanc, comme j'ai pas trop le moral, bah, je regarde Netflix. Voilà, j'ai me fait des séries, et puis du coup là j'ai découvert la série Breaking Bad. Donc c'est un prof de physique, de chimie, qui se lance dans la confection de méthamphétamine pour sauver sa famille parce qu'il est atteint d'un cancer. Donc il fait ce qu'il faut pour mettre sa famille à l'abri. Donc c'est assez cocasse, ouais, c'est pas mal. Il y a 5 saisons, j'en suis à la dernière saison, et j'ai vu qu'il y avait plein de spin-off avec. Donc je pense que je regarderai après les spin-off. J'ai vu qu'il y avait Sex Education, la saison 3, qui était sortie. Donc voilà, Mais autant vous dire que je suis fatiguée, fatiguée. Le soir, je ne tiens pas. Là, je suis épuisée. Aussi bien physiquement que moralement. Là, j'en ai marre. Comme je vous ai dit sur Instagram, je m'auto-soule. Je m'auto-soule. Je m'auto-soule. Je vous ferai voir ma petite tenue après. J'ai mis quasiment que des vêtements au trésor de Lynn aujourd'hui. Bah, tout. Ouais, le pantalon, tout. Bien, même les chaussures. Donc, non, non, tout est au trésor de Lynn. D'ailleurs, en parlant de trésor de Lynn, je pense que si, vendredi, vous avez vu qu'il y avait. Ça sera déjà passé, mais je ne sais pas si elle le laissera en replay. Vendredi, elle a fait un live. Donc je ne sais pas si je l'aurais regardé ou pas. Comme je ne tiens pas le soir, là, en ce moment. Un live pour deux associations, pour la mucoviscidose et puis pour la lutte contre le cancer, il me semble. Par rapport, je pense, à Octobre Rose. Donc, hop. On va mettre les cheveux. Donc ouais, elle a fait, enfin elle va faire pour moi, et elle a fait pour vous ces actions, et je trouve ça génial de pouvoir, et bien voilà, en achetant des fringues, vous soutenez la recherche. Voilà, donc ça c'est top. Bravo Aline, bravo à toi. Ensuite un petit peu de blush, je vais mettre celui-là, je vais attraper le premier qui vient, je vais pas chercher. Hop là. Toujours le W7, là, c'est le Gossip. Il faut que je remette aussi pas mal de petites choses sur Vinted. Mais bon, j'ai pas le courage. C'est dans les sacs. Donc je pense que je vais en mettre quelques pièces aujourd'hui. Et puis. Et j'ai un colis aussi qui a été rerouté. Je sais pas pourquoi. Mon relais colis est pourtant disponible. Et c'est une commande que j'ai faite sur le live de Millie Dress. Donc que soi-disant que le truc, il n'était pas disponible. Mon point relais, mais pourtant si.
Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc ça m'a demandé de choisir un autre point relais. Donc j'en ai choisi un autre dans une autre ville. Donc ça fera que j'aille le chercher. Donc on va voir quand est-ce que ça va être arrivé. Il faut que je mette le suivi. Alors on va mettre un petit peu de trucs pour l'élève. Puisque aujourd'hui du coup je reste à la maison. Demain je pense que je ne me maquillerai pas demain. Parce que si j'ai le dentiste et en plus le champ visuel. Donc demain il n'y aura pas de make-up. Ça c'est toujours mon maxi plump de chez Mure que j'adore, j'adore, j'adore. Alors pour les yeux, qu'est-ce que je vais faire pour les yeux? Ben, j'ai cette palette-là que je vous ai montrée dans la vidéo du Wall Action. Ouais, je vous l'ai montré. C'est la Séductive Dream de Fab Factory, toujours à 4,95€, donc de chez Action. Alors le fard là qui est là, en fait c'est un fard qui est gras, mais à l'intérieur il y a des, en fait il y a des, comment ça s'appelle, des trucs à l'intérieur, et en fait faut bien 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 le chauffer pour essayer de récupérer un petit peu ce qui est, voyez, ce qui est un petit peu dedans, mais bon ça c'est un fard que je vais pas me servir. Et donc je pense que je vais tester celle-ci avec vous, donc celle de chez Action, qui est la Dream Séductive Dream, celle-ci que je vous ai présentée dans le dernier haul Action, qui est à 4,95€. Je pense que vous pouvez toujours la trouver chez Action. Donc et j'ai déjà, il y a toutes les décos d'ailleurs, en parlant d'Action, il y a toutes les décos de Noël qui sont mises. J'ai déjà commencé à acheter des petites choses. Bon, je pense que je vous montrerai ça dans le prochain haul Action. Parce que là, je viens d'en tourner un. Donc, il faut que je tourne ce petit bout. Donc, je pense que je vais tourner ça après. Ça va m'occuper. Alors, je vais commencer par le fard Love You Late. Love You Late. Il est où, là? Love You Late. Late. Café? Un latte? Love You Latte? Ah oui. Aimes-tu le café? Donc, oh, c'est bien pigmenté aussi, ça. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour. Ce soir, du coup, bah, Enzo viendra avec nous puisque dans le garage, pourtant il a presque une demi-heure de route d'ici, mais mon mari, c'est un client à mon mari et de mon mari. Et du coup, comme Enzo a un stage en mécanique à trouver pour mois de décembre, bah, il va aller se présenter et il va lui demander si éventuellement... Il pourrait le prendre. Allez, hop, on remet tout comme j'ai fait. Je vais faire quelque chose d'assez rapide. Et savoir s'il peut le prendre pour le stage. Donc, comme c'est de la belle voiture, il y a un petit peu de tout. Il y a du moderne, du ancien, du... Donc, voilà, ça a fait toucher un petit peu à tout. Et donc, autant vous dire que c'est pas le trip d'Enzo, la mécanique. Mais bon, en attendant que son autre projet se concrétise, eh bien, voilà, ça permet d'avoir quand même un diplôme dans les mains. Donc il va voir avec lui ce soir, on va emmener tout ça, la convention, etc. Et on va voir si bah, finalement il prend. Il a dit à mon mari qu'il ne serait pas contre, mais qu'il voudrait quand même rencontrer bah, Enzo d'abord. Donc voilà, donc on va emmener tout ça ce soir. Et puis bah, on espère qu'il signe les conventions. Comme ça, au moins, ça va être un truc de fait. Ça va être fait. Et au moins un truc de moins à se soucier pour l'année. Et comme ils ont deux stages dans l'année, là, ils ont 3 semaines en. Ils ont 3 semaines avant les vacances de Noël et 3 semaines avant les vacances d'avril, il me semble. Donc, comme ça va être parfait. Il aura trouvé son stage et on aura déjà un truc de moins à faire pour l'année prochaine, puisque comme l'année prochaine, c'est pareil, par rapport au projet d'Enzo, ben, il y aura des choses encore à mettre en place, à travailler, etc. Donc, voilà. Hier, ce week-end, il a été faire des photos avec un photographe qui avait fait déjà des belles photos. Donc, il a refait des photos. On va essayer de faire quelques photos pour un book pour envoyer à quelques agences de mannequins. Parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me dire oui, il devrait être mannequin, il est beau, nanana, nanana. Alors, à savoir que c'est pas parce que vous êtes beau que vous êtes mannequin. Bien souvent, les mannequins ont des particularités. Hein, c'est voilà. Mais pourquoi pas. Voilà, il a dit que ouais, ça l'intéresserait bien. Il me dit si en plus je peux toucher un petit peu dessous. Voilà. Donc, on va faire ça. J'ai regardé un petit peu déjà sur quelques agences de mannequins, savoir ce qu'il fallait, etc. Donc, on va faire ça, on va faire des belles photos. Je vais les faire développer. Déjà, il va avoir un book pour démarcher après, pour se présenter avec le book. Et puis, on va faire déjà ça.
Je pense que je vais les faire développer sur la lame, je pense. Donc voilà, là j'estompe avec un pinceau propre. Là aujourd'hui c'est du rapide, hein. C'est juste parce que voilà, pour me donner un petit peu de bonne mine parce que j'ai pas trop le. Voilà. Et puis parce que le pyjama et nos make-up pas coiffés depuis le début de la semaine, ça va pas. Donc il faut que voilà, faut que je me donne un coup de claque là pour me bouger un peu. Même si voilà, si le moral n'est pas trop là, mais il va falloir que je me bouge la miche. Alors, hop, on va mettre la même chose, la même couleur au ras de cils. Alors j'ai une commande Chine, enfin une demi-commande Chine qui est arrivée. Je vous avais dit, je vous dis, je suis en collaboration avec Chine, plusieurs de temps en temps. Et habituellement, ben, je reçois tout en entier. Et là, je ne sais pas pourquoi, il manque plein d'articles. J'ai reçu que la moitié de la commande. Donc je vais envoyer un petit message à la personne qui gère les partenariats et savoir ce qu'il en est, si je vais recevoir le reste ou pas, ou s'il faut que je refasse une sélection. Parce que du coup, là, il n'y a pas grand-chose pour vous présenter. Enfin, s'il n'y a que ça, je vous présenterai ça, mais bon, c'est dommage. S'il y en avait plus, ça serait mieux. Donc je vais mettre le fard Heaven, qui est un fard beige, là, qui est juste ici. On va mettre ce fard-là. Qui m'a l'air quand même un peu orangé. Ouais, il est un peu orangé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la nude. Il y avait la nude toujours de chez Action. Ouais, le fard nid de tan, il est mieux. Il est plus clair ici. Ouais. Ah oui, c'est mieux. Pour nettoyer l'arcade, c'est mieux. Donc je viens juste nettoyer le haut de l'arcade comme ça. Avec celui-là. Et ça sera perfect. Et je pense que dessus je vais mettre, je sais pas si je vais mettre le Golden Hour ou le Oh My. Vous voyez, il y a le Oh My et le Golden Hour. Alors attendez voir. Je vais plutôt mettre le Golden Hour au doigt. Voilà. C'est très joli, hein. Franchement, ces petites palettes là à 4,95 c'est super joli, hein. Foncé, hein. Alors là, en matière de make-up, en ce moment, je fais pas grand-chose, hein. C'est vraiment la make-up de la flemme, on va dire. Le make-up de la flemme. Et je vais mettre donc le Oh My au coin, là. Au coin, je vais mettre le Oh My. Oh là là. Pigmentation. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Un petit peu de chute par contre celui-ci. Ouais. Et je remets un petit peu sur l'arcade ici. Voilà, finir ce qu'il y a sur le pinceau. Je vois qu'il y a quand même un petit peu de chatouille. Alors, on va enlever ce qui reste en chute. Voilà, je vais faire le mascara et les sourcils hors caméra. Et je vous retrouve après pour vous faire voir la tenue du jour. Et puis, vous retrouvez au rez-de-chaussée. Voilà, petit make-up terminé. Donc, pour j'avais oublié l'highlighter. J'ai mis finalement l'highlighter qu'il y avait dans le duo. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Il va parfaitement avec le brun. Pour le mascara, le 5D Lash. Et pour les sourcils, c'est ça qui vient de chez AliExpress, de la marque Colorcay. Et pour les lèvres, j'ai mis un Sephora sans transfert qui est le Piketty, le 40. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et j'ai fixé tout ça avec mon Quick Fix de chez Makeup Revolution. Enfin, XX Revolution. Donc, j'allais me laver les mains parce que j'en ai un petit peu partout. Donc, ouais, je vous disais que je vais aller mettre mes bagues aussi. Quelques bagues, je pense. Je pense pas que je vais mettre de collier parce qu'il y a déjà un motif. Là, c'est quasiment que des boucles d'oreilles de AliExpress, celle-ci. Que des boules d'oreilles d'AliExpress. Je sais pas ce que je vais mettre en bracelet. Donc, il faudra que je la teste un petit peu plus en profondeur, cette palette. Mais c'est relativement bien pigmenté. C'est joli pour du petit make-up. Il y a dans les tons violets, il y a un petit peu de parme, j'ai l'impression, ici. Un peu de parme, un peu de cappuccino, un peu d'orange, un peu de rouille. Ouais, je vais la tester, je pense, dans la semaine avec celle-ci. Hop là, j'emmène les masques. Je vais tester les deux en profondeur. Comme ça va pouvoir donner une idée. Il faut qu'on fasse avec Enzo aussi les petits masques. Là, il faut qu'on teste ça. Je ne sais pas encore quand. Peut-être ce week-end, si on a le temps, s'il est là. Parce que voilà. Là, avec du coup, les cours, le samedi, là, les jeunes sapeurs-pompiers, parce que ça y est, ça a repris correctement. Donc ça, c'est top. Il est content.
Et donc du coup le dimanche il va voir sa copine, donc finalement il est très peu à la maison. Donc hop là je vais effacer ça. Donc on va voir quand est-ce qu'on va pouvoir se faire des petits mascouilles. Donc là il est quelle heure? Il est 9h44. Je vais aller au rez-de-chaussée vous faire voir ma petite tenue. Après je vais aller appeler le dentiste pour voir quand est-ce qu'il peut me prendre. Enfin je vais voir avec la secrétaire s'il peut me prendre entre deux. Donc pas aujourd'hui parce que j'ai pas de voiture. Pas demain matin parce que voilà, j'ai rendez-vous à 10h40 mais il faut que je parte vers 10h. Si c'est comme la dernière fois, je suis passée 1 heure avec le retard et tout pour payer machin. Bon, je suis pas là avant midi, midi et demi. Je voulais aller faire les lunettes après, mais tout va dépendre. Si elle me donne rendez-vous l'après-midi, bah, j'irai faire les lunettes lundi. Voilà, donc on va voir comment ça va se goupiller. Je vais mettre les bagouses et puis bah, je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue. C'est parti. Donc je disais pour la tenue du jour, donc c'est un pull que je vous ai présenté dans le dernier haul au trésor de Lynn. Un pull assez loose. Avec écrit Rockstar dessus avec une étoile dorée. Dorée, bien sûr Valérie, noire. J'ai mis ça avec un pantalon magique couleur un petit peu. Ouais, il est chocolat. Et j'ai mis ça aussi avec une petite paire de baskets qui vient de chez Au Trésor de Lynn. Donc voilà pour la tenue tranquille du jour, à l'aise. C'est mieux que le pyjama. Hein. Depuis lundi, je suis en pyjama. Donc voilà. Pour les petites bagues ici, c'est une bague de chez AliExpress, et de ce côté-là, on a ici ma box bijoux et là AliExpress. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne en petite lumière du jour, quand même. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc, là, je vais aller appeler le dentiste. Alors, comme vous voyez, j'ai plus la bouilloire derrière les belles bouilloires. Là, on a repris celle-ci. Parce que en fait j'avais les deux mêmes que j'avais acheté, là, les Moulinex, un peu rétro. Et ben il y en a celle de la cuisine, la chaîne nous a fait sauter toute la baraque. Donc je pense que la résistance est morte. Enfin, en même temps elle tourne beaucoup. Mais je suis un peu déçue quoi, parce que c'était écrit garantie 2 ans, elle n'a même pas fait 1 an. Donc j'en ai vu à Action là, 8,95 € pour le bureau. J'en ai racheté une pour le bureau. Je vois que mon mari est en train de regarder les baskets sur Shein, sur son ordinateur. Lol. Donc, voilà ce que ça donne un petit peu en lumière du jour. Donc, je vais voir pour quand je vais retourner chez Action. Quand je suis allée chez Action, là, le problème, c'est que j'avais qu'un sac. Donc, pour prendre la boîte et tout, c'était compliqué. Donc, la prochaine fois, quand je reprendrai un caddie, je reprendrai une bouilloire pour ici. Parce que du coup, quand mon mari veut prendre un thé ou que je veux prendre un thé au bureau, etc., ou qu'on a le commercial qui vient pour prendre un chocolat ou quoi que ce soit, ben on est obligé d'aller dans la cuisine. Donc le but c'était justement d'avoir ce petit coin café dans le bureau. Donc je vais en reprendre une pour remettre ici. Donc je vais appeler le dentiste. Ensuite je vais faire tout ce que j'ai administratif pour la société. Ensuite j'ai des choses à faire pour YouTube. Et je vous retrouve je pense tout à l'heure peut-être. Ouais peut-être. Allez, à tout à l'heure. Bon, je reprends plus vite que prévu. Ça y est, j'ai eu le dentiste. Enfin, j'ai eu la secrétaire et elle pense aussi qu'il y a une infection vu comme ce que je lui décris. Oui. Elle me dit, je vous redonne un rendez-vous en urgence. Donc demain, 18h30. Ouais, chouette. Alors, première fois que je fais chouette d'aller chez le dentiste. Autant vous dire parce que mais là, j'en peux plus. Je dors pas. Le soir à 19h30, je dors dans le canapé. Enfin, voilà. Donc, écoutez, comment je suis allée chez Action, comme je vous l'ai dit, j'avais qu'un petit sac, et ben je vais tourner ce petit bout-là. Comme ça, vous l'aurez, je pense, sûrement pour le mois prochain. C'est du. Donc, il y a des petites choses sympathiques que vous avez vues, je pense, même sur Instagram, dimanche. J'ai trouvé des sets de tables. Je vous les montre. Allez, je fais un petit spoil. J'ai trouvé ces sets de tables-là. Hop là. Et je vous ai montré sur Instagram ma petite table dimanche. Parce que dimanche, on a des copains qui sont venus manger et j'avais fait une table comme ça. Et on a fait poulet, potatoes, etc. Donc un petit peu façon fast food. Et voilà, ça allait dans le thème de la table. Donc, mais sympa, sympa, vraiment sympa ces petits sets. Par contre, ils déteignent un petit peu sur les meubles laqués. Donc attention. Mais vraiment très sympa, ça fait un peu bistrot. Voilà. Donc j'en ai pris 3 paquets parce que je me dis si ça reste pas. Et je pense que je vais en reprendre quand j'y retournerai s'il y en a encore parce que vraiment c'est sympa. Voilà, une fois que tout le monde est parti, vous jetez. Voilà. Mais c'est très très sympa. Donc je pense que je vais m'installer. Et pendant que j'ai la foi, il est 10h. Là, ce midi, personne ne revient manger. Mon mari travaille un peu plus loin. Je crois qu'il est sur 2, 3. Commune plus loin, donc je pense qu'aujourd'hui, mais là il est sur pendant 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours, il est sur un chantier, donc je pense qu'il n'y en a pas mangé ce midi.
Enzo, lui, il est au lycée. Maintenant, le mercredi, il a cours toute la journée. Il a principalement de l'atelier le mercredi. Donc demain, bah, ça va être rendez-vous médicaux un peu toute la journée. Je vais pouvoir aller faire faire mes lunettes du coup. Parce que j'ai rendez-vous. Oh, il faut que j'arrête de dire du coup, là, ça m'agace. Je m'agace toute seule. Je m'auto-soule. Je m'auto-soule. Ouais, il faut que. Donc du coup. Ah! Demain matin, 10h40, champ visuel. Je pense que juste après, je vais aller pour faire les lunettes. Et j'irai peut-être. Je mangerai peut-être dans la galerie, puisque je pense qu'il doit y avoir des choses à manger dans la galerie de Auchan, je regarderai. Et j'irai peut-être faire un petit peu de shopping, ça me fera un petit peu du bien, je pense. Il y a longtemps que je ne suis pas allée chez H&M, etc. Donc on va voir ce que je dirais faire un petit tour. Je sais qu'il y a pas mal de petites boutiques dans la galerie, donc on va voir. Et oui, même quand je fais ça sur l'oreille, ça m'en fait mal juste ici. Donc je me demande si c'est pas une infection au niveau de la dent de sagesse qui me fait mal là. Et du fait qu'ici, il est fait. Il a comblé en fait le trou que j'avais. Je me demande du coup si c'est pas assez rapproché et que les dents finalement se touchent trop et que ça me fait mal, ça gêne les autres dents. Voilà. Enfin, je suis pas dentiste, mais on va voir si. Et s'il n'y a rien, eh bien écoutez, s'il n'y a pas rien à la radio, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va tout arracher. Non, je plaisante. Allez, je vais bosser, je vais tourner la petite vidéo action, je vais m'installer. Il n'y a pas grand-chose, donc je vais tourner déjà ça. Peut-être qu'il y aura peut-être plusieurs petits bouts là. Ouais, je sais qu'il y a même à Action, je crois, à Brétigny, où je vais là, à l'ophtalmo. Oui, il y en a un, je crois. Peut-être que. Allez, je m'installe. Je vous retrouve tout à l'heure de toute façon. Je vous retrouve tout à l'heure de toute façon. Peut-être pour le petit repas. Parce que comme je vous l'ai dit en ce moment, bah, je ne peux pas croquer grand-chose. Donc je me fais des repas un petit peu. Un peu mou. Ouais, on va dire un petit peu mou. Hier midi, je me suis fait ça. Je pense que je vais refaire la même chose ce midi. C'était de la limande ou du poisson pané, je ne sais plus. Mais ouais, c'est ça que j'ai acheté chez Lidl. J'ai mis de la semoule, une tomate, deux morceaux de fromage, un petit peu de vinaigrette, et voilà, j'ai eu mon repas, c'était tout mou. Ben ça, voilà, ça me fait pas mal à la mâchoire. Donc j'ai récupéré en fait la pince de la mâchoire, mais la sensation, voilà. Wally Walou, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Mon truc Breaking Bad, ouais, c'est mis en veille. Donc je regarderai ça tout à l'heure, je pense, en mangeant un petit épisode. Et là, j'ai bientôt fini, je pense, la saison 5. Et il y a des spin-offs, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, il y a un soleil ce matin. Bah, alors, il fait pas chaud. Il faisait 7 ce matin quand on s'est levé. Enzo part en t-shirt. Je lui dis ce matin, j'y mets. Mais tu te crois encore en été? On est en automne aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui on est le 20, 22 et c'est l'automne. C'est ma saison favorite, l'automne. Vous voyez, là c'est une journée typique d'automne comme je les aime. Il fait frais le matin, bien frais le matin, ce qui permet d'ouvrir toutes les fenêtres de la maison et de bien aérer. J'adore. Voilà, ce matin quand je suis remontée à l'étage, il faisait bien frais. On sentait que c'était, voilà, de l'air assaini. J'adore. Et ben on a un beau soleil, on a un ciel bleu comme ça. Ça, c'est des journées d'automne que j'adore. Donc, comme le dentiste me voit jeudi, normalement mon vendredi et mon samedi est libre. Donc, je pense que ça, vendredi après-midi, je vais finir le crépi parce que le chéri a fait la gouttière. Donc, je vous emmènerai avec moi ben, vendredi pour le crépi. Je vous montrerai un petit peu comment je fais, puisqu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais tu étales ça comment? Donc je vous ferai voir un petit peu. Bon, je pense que je ferai ça l'après-midi. Normalement, il pleut pas avant dimanche ou lundi, donc ça devrait être bon. Bon, je pense que vendredi, soit matin ou soit après-midi, il faut que je regarde. Mais là, je crois que c'est en plein soleil. Donc il faut que je regarde. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu dans mon vlog dernier. Et là, il a plu tout le temps. Donc là, le chéri, ce week-end, a fait. C'était quand? Je ne sais plus quel après-midi. Ben non, c'était lundi après-midi, puisque lundi après-midi, on avait le comptable, et oui, ça s'est très bien passé, le comptable, je ne suis pas revenue dessus, mais ça s'est très bien passé, on a bien travaillé, donc on nous a dit de continuer comme ça. Donc voilà, en espérant que cette année soit aussi bonne au niveau du travail, on le croise les doigts. Et du coup, comme il était venu manger là et qu'on avait rendez-vous qu'à 15h30, on était parti à 15h, ben dans les 2 heures, il a creusé, en fait, il l'a fait à ma place parce que voilà, comme je n'étais pas la forme, il a creusé et il a mis la gouttière provisoire parce qu'une fois que ça va être crépi, en fait, on va mettre un. Je pense qu'on va acheter un récupérateur d'eau, un joli récupérateur d'eau. Parce qu'après, comme on veut mettre des aromatiques tout le long, et je pense qu'on fera ça au printemps prochain. Ouais, je pense.
maintenant. Ou alors on va préparer juste la terre et on va le faire là pendant que c'est meuble. Et ouais, peut-être on va faire ça là. Je vais faire ça là. Je vais tout préparer, tout arracher, etc. Et comme ça on mettra le, vous savez, le plastique là exprès là, que j'ai acheté chez Action là. Le truc vert là. Ouais, la bâche là quoi. Exprès pour. Et puis les aromatiques. Je voudrais mettre des cassis, des framboises, enfin voilà. Des petites choses comme ça. Donc j'ai tellement la main verte que tout va pousser. Oh là là. Enfin, bon allez, je vais tourner parce qu'il est déjà 10h15. Et puis on se retrouve, je pense, soit tout à l'heure ou soit bah, demain ou vendredi pour vous dire un petit peu ce qu'il en est de ça. Voilà. Voilà, j'ai fait mon assiette, il est 12h15. Donc semoule, tomate, un peu de fromage et du poisson un peu pané. Et en même temps, je vais regarder, j'en suis à la saison 5, épisode 6 de Breaking Bad. Voilà, donc je vous retrouve, je pense, vendredi. Hello, on est vendredi, il est 9h11, on est vendredi 24 septembre. Donc j'espère que vous allez bien. Je fais un petit make-up encore avec les deux palettes de chez Action. Donc notamment avec celle-ci. Qui est, je suis essoufflée, j'ai remonté les escaliers parce que j'avais plus de batterie. Je suis coiffée comme un as de pique. Faut que je lave mes cheveux. Mais je vous expliquerai après pourquoi je vais faire ça que demain matin. Donc c'est la Dream, la séductive Dream là. Donc j'ai utilisé le fard extra spicy là qui est juste ici et que j'ai mis sur la totalité de la petite paupière, j'ai estompé etc, et j'ai mis au doigt le fard sweetness qui est un très joli fard ici, très joli, voilà, encore une fois super simple. Et j'ai utilisé le fard dans la palette nude, le nid de tan qui est le clair ici pour le haut de la paupière, et en creux j'ai mis le fard le gossip. Donc voilà, encore une fois, très rapide. Je vais pas mettre de rouge à lèvres parce que là, je vais porter le masque. Donc, j'ai juste mis un petit peu de plump et je vais l'enlever. Donc, je vous avais dit un petit peu ce que je vous dirais, un peu ce que, entre le dentiste et l'ophtalmo. Alors, l'ophtalmo, il s'avère que la tension est très, très élevée dans les yeux. Enfin, l'orthoptiste, c'est un orthoptiste que j'ai vu hier matin. Il s'avère que la tension est très élevée, j'ai 28 dans un et 26 ou 25 dans l'autre. Donc c'est très élevé. Donc et le test du champ visuel, c'est un peu plus compliqué du côté gauche. Donc je pense qu'il y a eu des petites pertes côté gauche. Donc je revois l'ophtalmo lundi matin à 8h20 pour savoir ce qu'on met en place pour le glaucome, hein, du coup qui est avéré. Donc voilà, donc ça va être, je pense, un traitement à vie, comme ma maman. Pour éviter que le glaucome ne progresse et que je perde la vue, tout simplement. Donc ça c'est fait. Je suis allée donc aussi chez le dentiste. Je vous avais dit, cette semaine, c'est une semaine compliquée pour moi niveau médical. C'est la merde. J'en ras-le-bol. Heureusement que la semaine va mieux finir. Donc le dentiste, il a regardé toutes les dents, il a fait des radios, etc. Et pour lui, niveau dentaire, il n'y a pas d'infection, il n'y a rien, etc. Pour lui, il pense que c'est les sinus. Et de fait, là aujourd'hui, j'ai le nez archi plein. J'ai une barre ici au là. Donc il pense que c'est les sinus en fait qui me font mal aux dents, tout simplement. Il m'a mis quand même sous antibiotiques pour un petit peu nettoyer tout ça, en fait, aussi bien la sinusite. Lui il pense que c'est plus ça parce que quand il appuie sur les gencives ici en haut, ça me fait très mal. Et ça me fait mal en fait aux dents qui sont en haut. Et pour les dents du bas, en fait, c'est dû tout simplement au fait qu'il a beaucoup appuyé sur la mâchoire et que en fait il a comblé l'interstice qui est ici. Donc il faut que toutes les dents se remettent en place. Donc c'est ça qui fait un petit peu mal. Qui pourrait faire un peu mal. Mais peut-être qu'il y aurait peut-être. Il dit bien peut-être, mais vraiment à la radio, il n'y a rien. Qu'il y aurait peut-être une inflammation au niveau d'une des couronnes, de la racine de la couronne, enfin de la dent sous la couronne. Donc il m'a dit on fait les 8 jours d'antibiotiques, etc. Donc il faut que je prenne de la levure, de l'extra levure pour éviter que ça me détraque toute la flore. Parce que moi je suis sujette à ça. Il m'a dit si d'ici quelques mois ou quelques semaines, vous avez toujours mal. Et que vous avez toujours mal aux dents, notamment de ce côté-là. On fera un scanner en fait ici pour voir s'il n'y a pas une atteinte au niveau des racines des couronnes. Et si c'est le cas, il faut enlever les couronnes, nettoyer et remettre une couronne. Voilà.
tout simplement. Donc je suis partie pour 8 jours d'antibiotiques là. Alors elle m'a dit, même si j'ai comme j'ai peut-être une sinusite, et eh ben ça fera pas de mal. Et c'est vrai que depuis le début de la semaine, je suis très très fatiguée. Donc voilà, est-ce que parce que je lui dis non, elle me dit quand vous marchez, etc. Est-ce que ça vous fait mal? J'ai dit oui, ça me tape là, mais que de ce côté-là. Et comme c'est toujours de ce côté de sinus là, et de fait je sens que c'est pris, voilà. Bon, enfin bref, voilà un petit peu pour les news. Bonne nouvelle également, Enzo, ça y est, a décroché son stage. Donc où on avait mis la voiture en réparation, c'est un client à mon mari. Eh bien il le prend pour le stage pour le mois de novembre. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Il a 1 heure de transport pour aller en train. Donc voilà, une très bonne nouvelle. Donc Enzo est ravi, nous aussi. Donc trop content. Il a pété son, enfin un de ses camarades lui a pété son téléphone la semaine dernière, et du coup bah, il se retrouvait sans téléphone. Il avait qu'un vieux truc mais qui tient pas la charge. Donc je lui ai repris, il y avait une super promo, donc je lui ai repris le même, le Wiko View 5. Au lieu de 179, c'était à 149 sur sur Amazon. Donc je lui ai pris, et comme le copain qui a cassé le téléphone va lui redonner les sous pour payer le téléphone, voilà. Pour éviter de faire marcher l'assurance, donc voilà. Donc bon, bah, ça arrive, hein. Et comme il avait déjà une petite fêlure sur l'écran, ben voilà, ça l'a achevé. Et puis en voulant rattraper ou je sais pas quoi, il a marché dessus ou je ne sais quoi. Donc voilà, on va attendre qu'il lui donne les 100 € pour le téléphone, et puis voilà. Donc après le reste, on va. Voilà, ça sera avec l'argent, avec son argent de poche qu'il récupérera, qui me remboursera. Voilà, parce que voilà, il avait eu à Noël dernier, donc il a même pas fait un an le téléphone, donc un peu dégoûté. Enfin bref, donc le petit programme du jour, je vous fais voir ma tenue après. Donc le make-up c'est fait, j'ai remis exactement la même chose pour le teint. Le petit programme du jour, donc là je vous ai dit les 9h20. Je vais aller, j'ai 2 points relais à faire, donc normalement que j'aurais dû avoir tout dans le même point relais, mais je sais pas ce qu'il y a eu avec ma commande du live Millie's Dress. Je sais pas pourquoi, c'est atterri dans un autre relais, dans une autre ville, alors je sais pas pourquoi. Aucune idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller au relais qui est à proximité de chez moi. Je vais repasser par l'autre relais qui est à côté de la caserne des pompiers. Et du coup, je vais aller faire, je pense, 2-3 courses, peut-être ce matin ou peut-être demain après-midi, en emmenant Enzo au pompier, je vais voir. Plutôt peut-être demain après-midi, parce que j'aurais voulu repasser là chez, faire un petit tour chez Action, parce qu'ils n'avaient pas installé toutes les petites décos de Noël, etc. Et j'aurais voulu aller chez Jiffy, j'ai vu sur Instagram des moules un petit peu en fibre de, un peu de verre, un peu comme les moules flexipantes chez De Marle. Donc, je vais aller voir ça s'ils les font. En plus, ils sont en VIP. Donc, du coup, comme moi, j'ai la carte VIP, ça fait beaucoup moins cher. Et j'ai vu que j'avais reçu un colis. J'ai reçu un mail. J'ai reçu un colis de chez Beauty Bay qui est dans la boîte aux lettres. Donc, je vais aller le chercher et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est Beauty Bay qui m'a envoyé un petit colis. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que j'en ferai une vidéo. Je pense qu'il y a des produits de la nouvelle gamme Beauty Bay Disney. Donc, on va voir ça. Je vais vous faire voir la petite tenue du jour. Dans le miroir de la chambre. Et pour les petits bijoux, puisque je suis là, on va faire les bijoux d'abord. Alors là, c'est un collier qui vient de chez AliExpress. Avec, je vais vous montrer un petit peu plus près peut-être. Hop là, est-ce qu'on va voir, voilà. C'est un collier, j'ai plein de poudre sur le pull. C'est un collier dont j'ai mis une extension. Il y a un œil ici bleu et noir. Et ici on a des petits yeux, des yeux de protection. Voilà, comme ça en collier, j'aime beaucoup. Cette petite bague là également, elle vient de chez AliExpress. C'est une petite bague palmier. Ici on a une autre bague qui vient aussi de chez AliExpress. Je les ai reçues récemment, ça vous les avez pas encore vues dans un haul. Donc vous les avez un petit peu en avant-première, je vous mettrai les liens. Et celle-ci c'est chez ma box bijoux. Pour les boucles d'oreilles, hop là. On a du Action et du AliExpress. Et ici, on a du Happiness Boutique pour le petit cœur. Et le reste, c'est du AliExpress et du Action. Et pour le petit bracelet qui est ici, c'est un Mabox Bijoux avec un petit genre de petite pierre ici, comme ça. Donc voilà, super simple, mais super joli. Je n'ai plus internet, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous fais voir la petite tenue du jour. C'est un pull au trésor de ligne que j'ai mis. Je vous fais voir ça dans la chambre. Allez, c'est parti. Accessoirement, il faudrait que je refasse aussi une lessive. J'en ai fait une hier soir. J'en ai. Ouh,
je suis toute noire. J'en ai mis une en route hier soir avant de partir chez le dentiste. Et accessoirement, il faudrait que j'en remette une autre aussi là. Voilà. Alors, je vous fais voir ce que j'ai. Je vais peut-être allumer la lumière. On voit pas grand chose. Alors, attendez, je vais allumer la lumière du dressing. C'est pas mieux. Bon, donc j'ai mis un pull. On va s'approcher un petit peu. J'ai mis un pull où c'est écrit D-I-O-R. Voilà, de chez Au Trésor de Lynn, noir. Et j'ai mis un pantalon qui est bleu. Ah, hop là. Un pantalon qui est bleu canard, enfin bleu pétrole, on va dire, avec une petite paire de baskets qui vient de chez Shein. Donc ça, ça vient de chez Loulou l'Étoile. Donc voilà un peu pour la tenue du jour. Hein. Toute simple, toute simple. Donc pour confortable, je pense que je vais mettre une petite veste en jean pour aller avec ça, parce qu'il fait un peu frais et un petit foulard. Et on va être bon. Donc, je vais réteindre tout ça. Ah. J'ai toujours pas trouvé mes rideaux, mais mon mari m'a dit que en fait il ferait pas des choses trop lourdes parce que en fait le... je vais vous faire voir, je sais pas si on va voir, voilà, les barres qui sont ici, elles sont juste posées comme ça et du coup ça ferait peut-être sûrement trop lourd. Donc voilà. Qui c'est qui est garé derrière moi? Il y a quelqu'un qui dégraille derrière moi. Donc je vais aller me préparer et puis je vais déjà commencer par les points relais. Je vais aller chercher ce qu'il y a dans la boîte aux lettres également. Hop, là je l'ai laissé ouvert. Faut que je vienne chercher le panier, prendre mon téléphone. Je vais prendre le, je vais aller chercher le panier et le problème c'est que j'ai reçu, comme je vous le disais, une commande Shein, mais je n'ai que la moitié des articles que j'avais fait dans la sélection. Donc j'ai envoyé un petit mail à la personne qui s'occupe de moi sur Shein, savoir ce qu'il en est, si c'est normal, si c'est pas normal, etc. Habituellement je reçois tout dans un gros carton et là c'était dans un cellophane. Donc ouais, j'ai pris mon antibiotique, je vais prendre là la levure, l'ultra levure, là un par jour pour essayer de me... Voilà. Je vais chercher le petit colis dans la boîte aux lettres. Et voilà, je vais repasser donc chez Action, voir s'il y a les stylos, vous savez, les stylos avec réservoir d'eau pour l'aquarelle, parce qu'Enzo en a besoin pour le lisser. Alors je vais aller voir ça. Ah. Et je bois ça dans ma gourde qui est de la marque je ne sais plus où ils, attendez. C'est la marque Air Up. Je me suis commandé une gourde Air Up avec les petites pastilles ici qui donnent du goût. Alors je vous en parlerai je pense dans le vlog prochain. Je la teste depuis une dizaine de jours. Il y a différents parfums que je teste, donc je veux vraiment avoir en fait un avis sur une utilisation quand même sur un petit peu de temps. La qualité de la gourde est très bien, la paille également. Je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. C'est pas sponsorisé, hein, c'est sponsorisé par ma carte bleue. J'ai des bêtises, je m'étouffe. Voilà, donc la petite extra ultra levure, c'est fait pour protéger ma petite flore. Donc ouais, je vais aller chercher le colis à la boîte aux lettres et comme ça je vous montrerai ça tout à l'heure au retour de ce qu'il contient. Là j'étais en train de regarder le petit vlog d'Hélène pendant que je prenais mon petit déj. Donc je vais débarrasser la table parce que voilà, le matin en fait je m'habille, etc. Je fais tout et quand je redescends, je débarrasse ma table, je fais ma cuisine, etc. La cuisine, c'est Tchernobyl, on s'en occupera, je pense, cet après-midi parce que autant vous dire, c'est le boxon, il y en a partout. Donc je m'occuperai de ça tout à l'heure quand je vais rentrer. Et je vais faire ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour faire voir ce qu'il y a dans le colis Beauty Bay. Et puis si j'ai trouvé des petites choses à Jiffy, etc. Mais eh ben, je vous fais voir ce que j'ai trouvé. Donc à tout de suite. Voilà, je viens de rentrer, il est 11h15. J'avais des petites choses dans la boîte aux lettres également Amazon. Je me suis commandé pour mon anniversaire, je vais vous faire voir. Je vous dis, moi je me fais des cadeaux de moi à moi parce qu'en général voilà, les gens ne savent jamais ce qu'on m'offrir. Donc moi je me fais des cadeaux comme ça, je suis sûre de pas être déçue. Je me suis pris le Yoshi Craft World sur la Switch en jeu. J'ai pas encore commencé le Zelda et tout, donc je me fais mon petit stock là pour l'hiver pour jouer.
Parce que cet été, du coup, j'ai pas eu du tout le temps avec tout ce que j'ai eu à faire. J'ai reçu aussi des. J'ai commandé aussi sur Amazon des barres comme ça de la marque NYX. J'ai vu ça sur une vidéo. Bah oui, moi aussi, je suis tentée par les vidéos des copines youtubeuses. Une vidéo de Sab the French Way qui sont des barres apparemment sans sucre. Alors, on va tester ça. Je vais en manger une tout à l'heure cet après-midi. Je vais vous mettre sur pied et je vous fais voir ce qu'il y a dans le contenu du colis de Beauty Bay. Franchement, il y a trop jolies choses. Je suis vraiment contente. Je vais pouvoir vous tester ça en vidéo prochainement. Je suis donc allée chez Jiffy. Alors les moules, c'est franchement ça ressemble vraiment au Flexipan, enfin de la marque que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus. Il y avait que des moules petites tartelettes. Il y avait rien d'autre. De toute façon, dans ce Jiffy là, à chaque fois, il n'y a jamais rien. Je suis allée chercher mes colis, donc je pense que je vous ferai une vidéo entière parce que j'ai pas mal de choses de Milly Dress, de Courbe en Valeur et de Au Trésor de Lynn, donc je pense que je vous ferai une vidéo haul mode prochainement. Prochainement, de toute façon c'est des choses là pour l'automne-hiver. Je suis allée chez Action, donc il y avait en promo de la semaine, donc jusqu'à mardi je vous l'ai montré. J'ai trouvé ma bouilloire, enfin vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine, dans le vlog, dans le haul de Action. Mais il y avait en... alors attendez, ils sont où? Ah, il y avait tous les... Ouh, il y avait tous les machins comme ça qui étaient en promo de la semaine à 1,47 au lieu de 1,72, donc j'en ai repris. Parce que le chéri, bah voilà, il s'en mange deux ou trois le soir. Et puis, voilà, on a ses petits plaisirs. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais ouvrir tout ça. Je vous mets sur pied pour pouvoir vous montrer les petites choses de chez Beauty Bay. Franchement, j'ai hâte de vous tester tout ça en vidéo. Alors, c'est parti. Donc, déjà, ah, j'approche le pull. Le carton, il est spécial, vous voyez. Beauty Bay in collaboration with Disney Colors. Donc vous avez tout le carton qui est aux couleurs de Disney Colors. Donc ça c'est top. Donc la personne qui s'occupe de moi chez Beauty Bay m'a mis la Carnival. Trop bien, je voulais la tester. La Antidote de Stacy Muet. J'adore ces palettes là, franchement elles sont top. Et bon, elles sont un peu grandes, donc à ranger, franchement, c'est pas forcément super pratique. Mais la qualité des fards, c'est Stacy Muet, c'est une make-up artiste, si vous savez pas qui c'est. Et voilà comment elle ressemble, celle-là. Oh là 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 là. Les couleurs lui rendent pas justice, franchement. Il y a des tons de jaune, vert, il y a un peu de rose, du brun, du orange. Enfin, franchement, magnifique. C'est la The Antidote. Donc ça, à tester prochainement en vidéo. Je pense que, ou alors vous le verrez dans les vlogs. Et donc dans la collection Disney Colors, elle m'a mis trois articles, trois petits articles comme ceci. Donc on a un trio de mini palettes, je trouve le packaging trop cute. Donc j'ai rien ouvert, hein. Oh c'est trop mignon, alors ça c'est top pour pouvoir les ranger, même pour emporter. Oh c'est trop mignon, regardez ça, c'est trop cute. Trop cute, alors on en a une Alice in Wonderland 1951 avec la date du Disney. Trop mignon. On a une Dumbo, trop mignon, et on a le livre de la jungle, trop mignon. Alors je sais pas comment elle se présente à l'intérieur, hop là, trop mignon. Donc vous avez le packaging comme ça, hein, avec le carton. Oh c'est trop cute, regardez ça, c'est des... Alors celle-là elle est un petit peu dans les tons pastels, donc ça c'est sûr pour le livre de la jungle. On a Alice in Wonderland. Je pense que ça doit être quand même assez coloré, Alice. Oh, c'est trop mignon. Donc, il y a du bleu, du jaune. Même avec les trois palettes, il y a de quoi faire un petit make-up très sympa, je pense. Ou les mini palettes. Et le Dumbo. Dumbo. Je vais rien swatcher là, parce que je vous ferai une vidéo dédiée, je pense. Ah oui, c'est des couleurs très circus. Ouais. Très sympa. Eh bien, écoutez, ça, c'est trop mignon. Trop mignon. Après, elle m'a mis des shadow sticks. Donc, c'est des... Ça se présente comme ça. Il y a des trios. Vous pouvez les prendre aussi, je crois, en... Hop là. Focus. Il y a des trios. Vous pouvez les prendre aussi en individuel. Trop bien. Regardez les couleurs. Je suis pas en face. Regardez les couleurs. Trop joli. Donc, ça peut être sympa à mettre que sur la paupière avec un autre fard. Ça... Je suis très près, là. Vous voyez ma face très près. Donc, bah, à tester ça. Ça a l'air d'être pas mal. Je vais quand même en ouvrir un, hein, quand même.
D'accord, voilà, ça se présente vraiment sous forme de stick. Ah ouais, joli. Donc ça, peut-être pour les matins pressés ou alors pour faire une base de couleurs pour accrocher les fards, à voir, à tester ensemble. Et la dernière petite chose, je pense que c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un stick aussi bien rouge à lèvres que gloss, je crois. Alice in Wonderland 1951. Donc c'est le Lip and Cheek Duo en fait, ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Et c'est un gros stick comme ça, donc vous avez deux choses à l'intérieur. Donc là c'est écrit quoi? Lip, donc ça c'est pour les lèvres. Vous voyez? Ça sent super bon. Et là je pense que ça doit être pour Cheek, pour les joues. Donc ça doit être un petit peu plus poudré j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça, c'est complètement poudré en fait. Et pour, donc vous avez le fard à joues ici et les lèvres. Ben, c'est pas mal, même pour emmener, ça peut être un gain de plein, c'est énorme. Vous êtes sûr que ça se casse pas pendant le voyage. Donc ça, c'est top. Eh bien, je testerai tout ça prochainement en vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce que je pense qu'il va avoir duré au moins une heure, je pense. Je vais aller mettre un petit peu de rouge à lèvres, parce que du coup, là voilà, je vais plus porter le masque de la journée. Et je vais aller, je vais vous tourner, je pense, le petit haul, la suite du haul action que vous aurez prochainement, parce que du coup, j'ai le sac qui est plein. Donc, voili voilou. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si cette semaine n'a pas été, comment on va dire, dans le bon mood, hein, et ben voilà, ça c'est... Ça arrive aussi, là il y a les compléments alimentaires d'Enzo et mes antibiotiques en fond. C'est pas été une semaine qui a été dans un mood super méga top. On va partir sur du positif pour la semaine prochaine. On espère que le mood sera bon. Je pense que la semaine prochaine j'irai sûrement chez Maison du Monde me chercher mon dom-dom, hein, mon Moya, ma statue Moya. Voilà, je pense. Ouais, je pense que voilà, je vais aller chercher ça parce que cette semaine ça a été une catastrophe. Lundi, je pense que c'est après l'ophtalmo, je vais aller faire fermer les lunettes et je pense que je vais faire un peu de shopping. Donc je pense que voilà, lundi je vloggerai la semaine de toute façon. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine elle sera un peu mieux au niveau mood, hein. Je devais faire mon crépi, mais là il pleut, donc voilà. Donc il faut vraiment que je bloque la semaine prochaine les jours où il ne va pas pleuvoir. Voilà, mardi j'ai vu qu'il n'allait pas pleuvoir. On va voir ça. Bon, parce que du coup je voulais le faire dans le vlog là, mais je ne peux pas parce qu'il fait moche et j'ai peur qu'il pleuve. Donc voilà, voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Merci de m'accompagner pendant ces vlogs. Même si des fois les vlogs sont un peu down. Voilà, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de quelqu'un de lambda. Quand je vous l'ai dit, c'est... Je vais pas vous montrer que ça va pas. Donc, je vais pas vous dire oui, tout va bien, puis que derrière, je suis prête à me pendre. Donc non, non, non. Donc moi je suis pas comme ça. Donc c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de tout le monde et de Monsieur, Madame, tout le monde. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres vlogs. Tout est en barre d'infos. Ciao, ciao.